signature de cette convention est, on doit l'avouer, l'aboutissement d'un réel partenariat entre la Nouvelle-Calédonie et l'IOM et donc la Banque de France. Et c'est depuis près d'un an maintenant que nous travaillons main dans la main avec les représentants locaux de l'IOM et son directeur, M. Thierry Beltran. Et c'était à votre initiative, M. le Président, que nous avions sollicité l'IOM et le Conseil de surveillance avait bien voulu faire suite à votre demande dans la mesure où nos dispositions fiscales prévoyaient que pour calculer la valeur actuelle nette des investissements des grands opérateurs miniers que nous avons le plaisir d'accueillir sur le territoire pour la valorisation locale de notre nickel, la création de valeur ajoutée, et les investissements massifs que ça représente pour ce que ça représentait pour le dynamisme économique qu'on a connu, et puis en phase d'exploitation, le maintien d'une activité très dynamique. Et donc pour calculer la valeur actuelle nette, il nous fallait, selon nos dispositions fiscales, un organisme de notoriété publique. Et qui mieux que la Banque de France et l'IOM pouvaient représenter cet organisme de notoriété. En fait, cette convention, elle intervient dans le cadre du pacte de stabilité fiscale qui a été attribué donc aux organismes, enfin aux deux groupes miniers. Et donc ce pacte de stabilité fiscale prévoit éventuellement un retour à un régime fiscal de droit commun dès lors que la rentabilité commerciale est estimée suffisante. Et donc c'est dans ce cadre-là que le calcul en fait de la valeur actualisée nette des investissements sera calculé pour évaluer en fait l'issue possible de ce régime favorable. Les dispositions juridiques et fiscales, et celle-ci est particulièrement importante puisqu'effectivement, comme vous mentionnez, elle conditionne le retour au régime de droit commun. Et donc c'est essentiel pour la Nouvelle-Calédonie. Donc effectivement, il faut y porter l'attention nécessaire parce que eux portent l'attention nécessaire à leurs intérêts. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'est un honneur pour nous, c'est une reconnaissance de notre compétence et de notre neutralité dans un contexte de projet d'usine de nickel, l'usine du Nord et l'usine du Sud que nous avons eu le plaisir de rencontrer, d'observer pour ce qui concerne l'usine du Sud hier, que nous verrons demain pour l'usine du Nord. Et donc nous savons la réalité qui se trouve en dessous de ces textes. Et donc je comprends que dans le contexte de l'époque où le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaitait promouvoir le développement de ces projets, un régime spécifique a été défini pour faciliter ces investissements et qu'il est maintenant nécessaire d'avoir une sorte de tiers de confiance qui va vérifier que les règles qui ont été définies dans le cadre de ce régime spécifique sont respectées et que le moment venu, la sortie du régime fiscal favorable sera observé en fonction des paramètres précis qui ont été définis par les textes. Je suis très heureux effectivement que vous ayez choisi l'IEOM pour jouer ce rôle particulier sur une opération pour toutes les raisons que vous avez rappelées et que tout le monde a rappelé ici est très importante pour la Calédonie et pour une normalisation fiscale sans qu'il y ait gagnant ni perdant, mais dans des conditions qui soient normales et reconnues comme objectivement les meilleures possibles. C'est-à-dire s'il y a des conditions économiques qui permettent la normalisation avant le terme des 15 ans, que ça se fasse. Et effectivement, il vous fallait un tiers de confiance, comme vous l'avez dénommé. Et là, je crois que l'avantage de l'Institut, c'est que, comme toute banque centrale, qui fait d'abord et avant tout son métier de banque centrale, assurer les décisions et la mise en œuvre de la politique monétaire, faire en sorte que le système monétaire, bancaire et financier fonctionne dans les meilleures conditions possibles, garantissant la stabilité et conditions optimales pour la croissance. Ça, c'est son rôle de base, et avec ça va la circulation fiduciaire, bonne circulation des billets, etc. Et puis, il a, comme la Banque de France, la capacité de venir en appui des autorités sur des missions particulières pour lesquelles son statut d'indépendance est un atout. Sa capacité à intervenir comme autorité publique indépendante. Et de la même façon qu'on a pu, à votre demande,
jouer ce rôle sur la médiation du crédit, comme le fait la Banque de France en métropole, qu'on a pu jouer ce rôle pour la gestion du surendettement, cette capacité à être au fond des médiateurs entre les banques, les particuliers, les banques et les entreprises, et à être connu comme neutre partout. Là, on pouvait vous rendre un service particulier et on est très heureux de le rendre. Donc, je me félicite beaucoup de cela. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté d'être notre partenaire. Et comme je dis, notre partenaire, c'est un bien grand mot dans cette opération. Et puis le directeur local. Et puis je salue la présence parmi nous du gouverneur de la Banque de France qui, pour l'occasion, a fait aussi le déplacement. Et je suis très honoré d'avoir ici à cette table du gouvernement. Alors pour dire les choses, en termes de fiscalité, les Calédoniens, comme évidemment je crois que les Français en général, ils n'ont pas toujours compris toutes les subtilités de la fiscalité. Mais en tout cas, ce qu'ils savent bien, c'est qu'ils payent des impôts. Et alors, ils ne supportent pas quand les autres ne payent pas d'impôts. Donc, il y a toujours eu un débat, mais oui, mais alors, ces usines, bon, d'accord, c'est des investissements massifs, mais quand est-ce qu'ils vont payer des impôts? Ah, bah, dans tous les cas de figure, ils paieront dans 15 ans. Alors, ça, ils ont retenu. Sauf si ça marche tellement bien, ça n'a pas l'air de tout à fait le cas pour l'instant, mais si ça marche tellement bien que, en fait, ce que les gens comprennent, ils remboursent leur investissement, enfin ils récupèrent plus exactement leurs investissements avant la période de 15 ans, donc à ce moment-là, ils vont payer. Et donc la question, bien sûr, ah oui, mais alors comment vous allez le savoir, comment vous allez compter, qu'est-ce que vous allez faire, etc., etc. Et j'ai toujours été frappé de voir que, dans l'opinion, cette question quand même compliquée, elle intéressait les Calédoniens. Alors, je ne vais pas vous dire que non plus que tous les Calédoniens sont accro à la question. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de questions. Mais alors, comment vous allez faire? Comment vous allez vous organiser, etc. Alors, c'est sûr que si la DIMAN, le service des mines de la Nouvelle-Calédonie, si les services fiscaux, on avait entrepris sur nos petits carnets habituels de rédiger tout ça, ça aurait été quand même compliqué. Surtout qu'on a des opérateurs miniers qui ont une capacité à se défendre. Une capacité à argumenter. On a vu, on sait déjà, n'est-ce pas, monsieur le directeur?